Coucou, c'est Ange Féminin Masculin 2 et je prends le micro pour vous dire que je vais arrêter ma chaîne. Voilà. Tout simplement parce que bah, je sais pas ce qui se passe, mais les gens là depuis une semaine et demie ils se défoulent. Tout simplement, ils se défoulent, ils m'envoient des messages d'insultes. Ils posent des questions complètement inappropriées. Qui ne la regarde absolument pas et ça bah du coup excusez-moi mais ça me plaît pas voilà voilà j'ai des insultes notamment par rapport à mon pseudo. On commence à m'attaquer sur ma vie privée, sur ma vie sexuelle et voilà, moi je suis pas là pour ça, j'ai pas fait de vidéo pour ça et de toute façon c'est mon droit de pas vouloir y répondre, notamment parce qu'on n'est pas sur Facebook, on n'est pas sur Twitter et si je suis pas inscrit justement sur ces deux plateformes, c'est parce que j'ai pas envie de dévoiler ma vie aux gens, ça les regarde personne et du coup vu que ça plaît pas à certaines personnes, et ben je m'en prends plein la gueule. Donc j'ai envie de dire que bah non, j'ai pas envie de rentrer tous les soirs du boulot et de voir ce genre de message. Non, d'accord? Ceux qui disent ouais tu fais pas de vidéo depuis des mois et tout, j'ai envie de dire déjà utilisez votre cerveau et demandez-vous pourquoi. D'accord? Jusqu'à un moment vous voyez bien que je faisais des vidéos régulièrement. Pourquoi? Mais parce que je pouvais et que j'avais le temps, tout simplement. Outre le temps, il y a aussi une question de vouloir faire des vidéos. Et ceux qui n'auraient toujours pas compris, je vous signale que dans la vie IRL, il n'y a pas que le temps pour faire des vidéos, mais il y a aussi d'autres choses à côté, genre la famille, les amis. Et du coup, peut-être que j'ai des problèmes en ce moment à ce niveau-là, mais que vous ne le savez pas. Donc avant de m'envoyer des messages en me disant ouais, de toute façon tu fais plus de vidéos, tu parles à des gens comme à des chiens. Alors en ce moment je parle pas super bien aux gens. Pourquoi? Parce que jusqu'à maintenant je parle aux gens gentiment et je m'en prends quand même plein la gueule. Donc au bout d'un moment, trop bon, trop con, moi j'en ai ras le bol, d'accord? Déjà qu'au boulot, franchement, j'ai juste, voilà, j'ai une chef qui me mène la vie impossible. Donc c'est pas en rentrant chez moi quand je veux me détendre, en voyant ces messages-là, que, enfin voilà, moi je trouve que c'est la goutte qui fait déborder le vase. Alors avant de critiquer quelqu'un sur ses vidéos ou sur son manque de vidéos, demandez-vous pourquoi justement hein, il en fait moins et dites-vous que si les gens font moins de vidéos, c'est soit parce qu'ils n'ont pas envie, soit parce qu'ils n'ont pas le temps et qu'ils font passer la vie IRL avant, ce qui me semble être logique. Et d'ailleurs, j'ai une grande partie de mes abonnés qui comprennent ça, donc je leur fais un petit coucou et je leur dis merci, notamment à Petitius, Satolune, Ludo. Enfin, voilà, vous allez vous reconnaître. Mais voilà, ce sont des gens qui sont un minimum mûrs pour comprendre ce genre de choses et pour savoir que voilà, il y a un moment, on n'est pas des machines à distribuer des vidéos et qu'on a une vie à côté et que, bah, excusez-moi, mais si j'ai quelqu'un à l'hôpital, eh ben, je ne vais pas aller faire de vidéos, hein, d'accord? Donc, il y a un moment, il faudrait un peu se rendre compte que les youtubeurs, ils sont pas là pour vous servir, mais ils sont là normalement pour se faire plaisir et du coup, pour vous faire plaisir. Parce que quelqu'un qui prend pas de plaisir, vous allez vous le ressentir et du coup vous allez moins apprécier la vidéo. Ça me semble quand même plus logique. Donc moi si je fais des vidéos juste pour vous faire plaisir, non mais laissez tomber, enfin, je vais faire la gueule. Donc je vois pas où va être l'intérêt. En plus, jusqu'à maintenant c'était assez la folie, mes parents sont remontés, j'ai dû déménager des trucs. Enfin bon, de toute façon je suis pas là pour vous raconter ma vie, ça vous regarde pas. Tout ça pour vous dire que j'étais occupé. Et que c'est pour ça que j'ai pas fait de vidéo, et que plus je voyais les jours avancer, plus je recevais des messages de haine, mais gratuits, mais gratuits, c'est-à-dire que tu ne dis rien, et on t'en envoie plein la gueule. Et là tu te dis, mais merde, il se passe quoi là? C'est quoi ce délire? Qu'est-ce qui se passe? À cause de mon pseudo, les gens, ils sont complètement. Alors j'ai eu des messages plutôt marrants, genre est-ce que je suis transsexuel? Ça m'a pas du tout vexé parce que justement il y a la façon de demander les choses. Voilà. Donc voilà, mais il y a des gens qui comprennent pas. J'étais un petit peu sec et un petit peu froid dans certains commentaires, tout simplement parce que je m'en prends plein la gueule. On me dit que j'ai une voix de folle, que je prends une voix de pour ménagère bidochon, et après je me fais engueuler en me disant non mais attends, attends, t'as pas à répondre aux gens comme ça. Non mais attendez, je me fais insulter et en plus je devrais rien dire maintenant. Non mais enfin, c'est le monde à l'envers quoi. C'est-à-dire que tu fais des vidéos YouTube. T'es là pour être critiqué, tu assumes. Ah bah non, désolé, mais moi je suis pas comme ça dans la vie, je serais pas comme ça sur YouTube. Donc non, je m'en prends la gueule, je me défends, excusez-moi. Donc moi j'ai pas envie de supporter ça, j'ai pas envie de supporter des gens qui sont pas assez matures pour comprendre ça et pour t'insulter sur ton pseudo, purée. Non mais c'est incroyable quoi. On peut même plus avoir un pseudo comme on veut maintenant. Non mais j'ai envie de dire réveillez-vous les gens, c'est pas possible. C'est incroyable d'être aussi fermé pour
pour polémiquer sur un pseudo, quoi. Enfin, je sais pas, mais trouvez-vous une vie. C'est pas possible. Donc écoutez, je pense qu'il y en a qui sont un petit peu trop sur Facebook et un petit peu trop sur YouTube et qui s'oublient un peu la réalité des choses. Donc moi j'ai plus envie de supporter ça. Donc peut-être que je ferai des vidéos de temps en temps, mais ce sera moins régulièrement. De toute façon, vous avez pu le remarquer, hein, j'en fais moins, notamment parce que bon bah c'était au niveau du temps. Moi je suis crevé, d'accord? Je me lève à 7h42 le matin, je rentre chez moi à 19h. Et s'il y a des gens pour qui ça n'empêche pas de faire des vidéos, je leur dis tant mieux, mais moi, désolé, mais moi, j'arrive, je suis crevé et j'ai pas envie, d'accord? J'ai tout juste le temps de faire mes lessives, ma bouffe et de dormir. Donc si vous comprenez toujours pas ça, j'ai envie de dire, eh ben je suis désolé pour vous, mais grandissez. Ah, je suis désolé, grandissez. Ensuite. Concernant mes vidéos, bah du coup oui j'arrête tout. Peut-être que j'en ferai de temps en temps des petits bonus, des vidéos comme ça, histoire de vous faire encore des petites vidéos. Mais en tout cas, voilà, je pense que je vais arrêter mes séries. Je vais arrêter mes séries. Je vous ferai peut-être des vidéos des fois sur les Sims ou des trucs comme ça quand j'en ai. Hein. Vraiment, voilà, de temps en temps. Mais voilà, j'ai vraiment perdu l'envie. Les gens là, cette semaine et demie m'a dégoûté. J'ai reçu des. Mais parce que vous savez pas, vous, tout ce qui se passe derrière. Vous voyez juste les commentaires, vous vous dites, non mais le gars il s'enflamme. Attendez, moi ça fait une semaine et demie que tous les jours je reçois deux ou trois messages, mais d'insultes, mais complètement gratuits. C'est-à-dire que je ne connais même pas les gens, je ne leur ai même pas parlé, et je reçois des messages d'insultes par rapport à mon pseudo, par rapport à comment dire, ma supposée vie sexuelle. En plus, ça ne regarde que moi. Attendez, je couche avec qui je veux. En quoi ça vous regarde? Je fais des vidéos YouTube sur des jeux vidéo. En quoi ça vous regarde avec qui je couche? Non mais sérieusement, il y a un moment, il faudrait arrêter quoi. Donc je pense qu'il y en a qui sont un petit peu trop élevés avec Facebook et Twitter et devraient se calmer 2 secondes. Et je parle pas fin simplement pour moi, mais pour les autres. Quand je suis pas mal de gens comme Biloulette, Easy Maniac et tout, et les gens qui arrêtent pas de le harceler pour leur dire ouais fais une vidéo IRL, fais ci, fais ça, mais comment ça, fais ci, fais ça, mais non quoi, on n'est pas là enfin on n'est pas là pour faire ce que vous avez envie, on est là pour faire ce que nous on a envie de vous faire partager. C'est pour ça d'ailleurs que leur chaîne, la chaîne des youtubeuses que je viens de citer marche, c'est parce que elles font que ce qu'elles ont envie et que ça plaît aux gens. Non mais attendez, enfin il y a un moment, c'est-à-dire qu'il y a plein de gens sur YouTube, on va pas faire tout ce que veulent les gens, parce que les gens veulent toujours la même chose. Des vidéos IRL et des vidéos sur les jeux les plus récents. Hein. Super, ça fait beaucoup de diversité. Donc il y a un moment, si vous voulez de la diversité sur YouTube, eh ben, il faut laisser les gens faire ce qu'ils ont envie de faire, tout simplement, en comprenant qu'il y a peut-être des à côté dans leur vie qui font qu'ils peuvent pas toujours être dispo. Parce qu'il y en a qui n'ont pas 12 ans et qui, dès qu'ils rentrent de l'école, ils n'ont pas leur bouffe toute faite, leur lit tout fait, leur chambre toute faite. Ok? Donc ça, il va falloir commencer à comprendre sérieusement, parce que voilà, ça gonfle beaucoup de youtubeurs. Hein, pour en suivre certains et pour avoir vu certaines de leurs vidéos avec certains de leurs commentaires, je pense que c'est fatigant et c'est triste même de voir que les gens ils comprennent pas ça. C'est moi je trouve ça triste, voilà. Donc désabonnez-vous si vous avez envie. Moi vous savez depuis le début, ceux qui me connaissent depuis pas mal depuis mes débuts, ils savent très bien que je fais pas la course aux abonnés. Hein. C'est juste que voilà, j'avais envie de partager mes délires, montrer la façon dont je joue. Tout simplement. Voilà, tout simplement. Donc ensuite, il n'y a pas de. Y a, voilà, si vous voulez vous désabonner, bah, à la limite, vous pouvez. Hein, j'ai envie de vous dire, vous aurez pas souvent des vidéos. Donc ça sert à rien de faire un abonnement de plus qui va prendre de la place dans vos abonnements. C'est juste que voilà, je fais un gros bisou, vraiment un gros bisou à ceux qui m'ont suivi depuis le début, qui m'ont critiqué dans les vidéos, mais qui m'ont critiqué pour que je puisse avancer. Voilà, c'est-à-dire que j'avais beaucoup de critiques de Satolune qui me disaient ah oh, tu devrais faire ci, tu te fais gaffe, tu fais ça, mais ça c'est pas une bonne idée. Et voilà, c'était des critiques qui m'ont été utiles, qui m'ont aidé à avancer, à progresser et à améliorer la qualité de mes vidéos. Donc voilà, c'était ça que je veux. Qu'on me sorte pas que je supporte pas la critique. Non, c'est pas ça, je supporte pas la méchanceté gratuite. Recevoir des messages de haine, mais vraiment, dans ma boîte de réception, alors que je connais les gens ni d'Ève ni d'Adam. Désolé, non. Me critiquer sur ma voix, sur mes trucs, mais du coup, mais c'est quoi ça? Mais comment on peut se permettre de critiquer quelqu'un, de juger quelqu'un sur sa voix, alors qu'on l'a jamais vu? Non, puis alors, en plus, ceux qui voulaient des vidéos IRL, je peux vous dire qu'après ce genre de message, je suis pas prêt de vous montrer ma tête. Hein. Je me suis dit, oh allez, peut-être que je vais faire une vidéo IRL et tout, les gens, ils sont sympas. Oui, bah je. Hein, ça risque pas de toute façon maintenant. Donc
Non, parce que les gens, tu leur donnes ça, ils te prennent le bras. C'est incroyable. Non, mais attends, j'hallucine quoi. Tu partages un petit peu de ta vie privée. Ah, bah non, ça leur suffit pas, ils veulent carrément voir ta tête. Parce que, en plus, comme ça, ils pourront t'insulter. Mais pourquoi? Enfin, c'est super de pouvoir insulter le physique de quelqu'un quand on est soi-même caché derrière un PC. Mais attendez, c'est super facile. Alors pourquoi les gens, ils se priveraient, hein? Donc, non, écoutez, il y en a. Qui ont subi ça. Je pense notamment à Play For You qui avait fait une vidéo parce qu'ils s'en prenaient plein la gueule et qui disait que des fois c'est découragé de faire des vidéos. Ah bah je suis bien d'accord avec lui, sauf que lui, voilà, c'est son boulot, donc forcément il continue, mais moi c'est pas mon boulot, donc je prends la décision d'arrêter ma chaîne. Donc comme de toute façon, comme vous pouvez le voir, hein, j'avais déjà moins de vidéos, alors c'est pas du tout prémédité, c'est une décision que je pense depuis justement depuis que j'ai reçu ces messages. Si c'est pour avoir ce genre de messages, moi je dis non. Voilà. J'ai pas envie d'attirer des abrutis, des homophobes, des gens qui sont remplis de clichés, qui réfléchissent pas plus loin, qui voient pas plus loin que le bout de leur nez. Moi ça m'a. Non, j'ai pas envie d'attirer ce genre de personnes. Donc écoutez, je préfère arrêter ma chaîne tout de suite plutôt que d'avoir le minal miné, ce qui est déjà pas mal le cas, notamment par rapport à ma vie au boulot. Donc voilà, je me préserve et ceux qui comprennent pas, je leur dis tant pis. Alors allez-y, défoulez-vous dans les commentaires, hein, déversez votre venin, ça va vous faire du bien. Après, à mon avis, vous vous ennuyez hein, pour faire ce genre de choses. Il y a quand même plus important dans la vie et plus utile que d'insulter quelqu'un et de critiquer quelqu'un sur des sujets que vous devriez comprendre quand même. Avec un minimum de maturité, vous devriez comprendre que si je fais moins de vidéos, c'est parce que j'ai ma vie privée qui prend le pas. Sinon, si vous comprenez pas, c'est qu'à mon avis, vous avez 12 ans et que honnêtement, vous avez tout cuit dans la bouche parce que c'est pas possible. Voilà, franchement, je parle avec des gens, des youtubeurs, notamment Gordem qui va se reconnaître, qui a 14 ans et il comprend ce genre de choses, quoi. Il a 14 ans. Donc me dites pas, oh attends, moi j'ai 12 ans et. Non mais je parle en général, c'est quand même rare que des personnes de 17 ans comprennent pas ce genre de choses. Donc hein. Ou alors si c'est le cas, c'est grave parce que ça veut dire qu'il y a un grand manque de maturité quand même. Donc écoutez, je vous fais de gros bisous. Vous aurez peut-être des vidéos, comme je vous dis, de temps en temps, mais vraiment pas régulièrement. Donc écoutez, bah restez abonné si vous voulez, désabonnez-vous, faites ce que vous voulez, faites ce qui vous arrange le plus et au niveau de votre organisation. Mais voilà, j'en voudrais à personne parce que, enfin, faut arrêter. C'est-à-dire que si vous vous désabonnez, je vais pas dire oh bah le salaud et tout. Enfin, non, mais vous faites ce que vous voulez, quoi. YouTube, c'est un espace libre où on peut s'amuser. Il y en a qui ont oublié ça, je crois. D'accord? S'ils veulent connaître la vie privée de quelqu'un, ils vont sur Facebook. Donc, YouTube, c'est pour s'amuser. Donc, écoutez, je vous fais de gros bisous et je vous dis bonne continuation à tous. Et je fais un grand merci à ceux qui m'ont suivi et qui m'ont aidé à progresser dans mes vidéos. Voilà, je leur dis un gros merci et merci à tous ceux qui m'ont soutenu et qui ont compris. Voilà, qui ont vraiment compris. J'ai l'impression que c'est pas donné à tout le monde sur YouTube maintenant. Qui ont compris. Voilà, qui ont compris pourquoi parfois je faisais moins de vidéos, pourquoi j'en sortais moins régulièrement. Je vous fais gros bisous et je vous dis bah, à plus tard. Enfin, à plus tard, oui, voilà, je sais pas trop comment finir la vidéo, c'est pas. Voilà, mais je vous fais de gros gros bisous et ben j'espère que vous allez continuer à vous amuser sur YouTube parce que c'est le principal. Voilà, gros bisous.